Donc là, on est en direction des calottes de dressage. On va aller voir une fille qui est en groupe en équitation avec Elisa. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Là, je suis sur le chemin. Je vais arriver à la gare de détente. Donc je vais vous emmener dans la petite journée avec moi. Donc cet après-midi, vers 18h30, quelque chose comme ça, j'ai du coup ma poney 2. Je suis en poney 2 des minimes 1. C'est sans chrono. On va essayer d'être sur les infos et tout. Mais bon, bref, on va aussi aller voir Emir après. Donc c'est parti. Là, on va au carré de dressage. Sorti, hein. Bon, donc du coup, là je me suis changée complètement du coup pour. Je vais bientôt passer moi, toujours ma sacoche, mon pantalon blanc, mon petit polo à court. Voilà, le mimi lui il est prêt. Coucou! Trop mignon. Voilà, donc. On croise les doigts. Juste, je voulais vous dire, mais donc la reco, elle est à 15h. Elle est à 15h. Donc, fin de reco à 15h30. Donc, à 15h30, ce sera le premier cavalier en piste. Voilà, donc là, on a pris la reco. On a encore pas mal de temps à attendre parce que, du coup, comme j'étais donc, bien classée, j'étais 6ème. Ils prennent en fait à l'inverse. Donc, je passe 103. Voilà. Donc j'ai refait cette planche, j'ai entendu nettoyer ses tâches. Donc vous voyez tout là où c'est mouillé, bon je vais mieux vous montrer mais je nettoie ces tâches, il y en a plein. Tâches de caca. Voilà, avec ma superbe éponge que j'ai gagnée en concours. Voilà. Donc vraiment, par contre au niveau du parcours, c'est vraiment un bon parcours. C'est le même parcours qu'un de mes amis qui l'a fait ce matin. C'est le même, il y a un triple qui est quand même assez technique, un double et tout, mais franchement il est vraiment bien le parcours. Donc c'est bien et donc il n'y a pas de chrono, donc on va essayer d'assurer sa faute. Tout là où c'est mouillé, donc ici, je sais que j'ai déjà nettoyé. Mais du coup, j'ai déjà commencé un peu à nettoyer là. Là, mais tout là, encore des tâches et sa tête, donc il faut que je nettoie. Voilà, voilà. Donc, vous n'avez pas vu mon tour puisqu'il n'a pas été filmé. Et bon, en vrai, tant mieux parce que c'était une catastrophe. Donc, je vais vous le raconter. Donc, avant mon tour, déjà, on a attendu 2 heures parce qu'il y a eu 2 gros accidents à la motte. Donc, on allait vraiment régulièrement aller voir si on pouvait rentrer dans la carte de détente, mais ils ne nous laissaient pas rentrer. Et donc au bout de 2 heures après ils nous ont laissé entrer, mais moi il me restait genre 3 chevaux pour détendre. Donc j'ai dû détendre vraiment très très vite. Les sauts ils étaient pas bons du tout à la détente. Donc ça m'a vraiment fait stresser, surtout qu'en plus j'étais plus dedans. Après 2 heures là vraiment j'étais plus du tout dans le mood. Donc du coup j'ai fait une crise d'angoisse avant d'aller sur mon tour. Mais j'ai décidé quand même d'y aller. Donc je me suis un peu ressaisie et j'y suis allée. En fait j'ai fait une barre sur le 2 et une barre sur le 4. Et en fait la deuxième barre sur le 4 ça m'a totalement déstabilisée. Et je retombe un peu en fait dans la crise d'angoisse. Et donc malheureusement du coup j'ai décidé d'abandonner parce que j'étais plus du tout en fait en état de continuer mon parcours. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Bon, malheureusement je pense que ça sera pas la fin que vous aurez tous espéré et bah moi non plus, mais bon c'est comme ça. Je m'excuse encore une fois pour le retard des vidéos. C'est vrai, j'ai beaucoup tardé à faire le montage mais j'avais pas trop le temps. Donc j'espère que cette série de vidéos vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.